La Chine va consacrer 60 milliards de dollars supplémentaires au développement économique des pays africains. Il s'agit de la promesse faite par son président Xi Jinping lors de l'ouverture du sommet Chine-Afrique à Pékin. En Centrafrique, la situation humanitaire à Alindao, ville charnière du sud-est du pays, est désastreuse. Ceci à cause de la présence de groupes armés. C'est ce qu'a estimé ce lundi le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU. Et puis au Nigeria, le groupe Boko Haram a tué au moins 48 soldats jeudi dernier dans l'attaque d'une base militaire dans le nord-est du pays. De nouveaux chiffres confirmés ce lundi et qui alourdissent le précédent bilan de 30 morts. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. La Chine va consacrer 60 milliards de dollars supplémentaires au développement économique des pays africains. Il s'agit là d'une promesse faite ce lundi par son président Xi Jinping. C'était lors de l'ouverture d'un sommet Chine-Afrique qui se tient à Pékin. Les images. 60 milliards de dollars, c'est le montant supplémentaire annoncé par le géant asiatique ce 3 septembre à Pékin, à l'ouverture du sommet Chine-Afrique. Pour promouvoir la mise en œuvre harmonieuse des 8 grandes actions, la Chine est prête à fournir 60 milliards de dollars supplémentaires pour soutenir l'Afrique par le biais de l'aide gouvernementale, de l'investissement et du financement des institutions financières et des entreprises. Ce soutien financier qui devrait être consacré au développement économique des pays africains comprendra notamment 15 milliards de dollars d'aide gratuite et de prêts sans intérêt. Parmi les 60 milliards de dollars de financement supplémentaire promis figurent également des lignes de crédit de 20 milliards de dollars. Deux fonds consacrés à la finance du développement et au financement des importations de biens africains seront également établis d'un montant cumulé de 15 milliards de dollars. Enfin, les entreprises chinoises seront encouragées à investir au moins 10 milliards de dollars en Afrique au cours des 3 prochaines années. La Chine investit à chaque année plusieurs milliards de dollars en Afrique depuis 2015 dans des infrastructures ou des parcs industriels. Mais ces investissements sont plutôt critiqués par l'Occident qui y voit un dangereux accroissement du niveau d'endettement des pays africains et leur dépendance vis-à-vis de Pékin. À l'ouverture du sommet, la Chine a également annoncé l'annulation d'une partie de la dette arrivant à maturité cette année des pays les moins développés, enclavés ou insulaires du continent africain. En bref, au Rwanda, ils ont voté ce lundi pour élire leurs députés lors des élections législatives qui devraient voir se prolonger l'hégémonie du haut parlement du parti du chef de l'État, Paul Kagame. Le Front patriotique rwandais, FPR, au pouvoir depuis 24 ans, et ses alliés et un parti d'opposition briguaient 53 des 80 sièges de la chambre basse du parlement, les 27 sièges restants étant réservés aux femmes, aux jeunes et à des handicapés physiques élus par des comités spécifiques. Il faut dire que dans le Parlement sortant, ces 53 sièges en jeu sont détenus par le FPR et ses alliés ou des partis soutenant la politique du gouvernement. En Afrique du Sud, la commission d'enquête sur le scandale de corruption au sommet de l'État continue ses auditions. Même si la commission n'a aucun pouvoir judiciaire, elle a réussi à obtenir le renvoi de la chef de l'unité anticorruption de la police sud-africaine. Reportage. Deux semaines après le démarrage de ses auditions, la commission d'enquête sur le scandale de corruption à la tête de l'État sud-africain fait sa première victime de poids. Elle a obtenu le renvoi de la chef de l'unité anticorruption de la police sud-africaine. Zinle Mnonopi, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a été démise de ses fonctions pour entrave présumée à une enquête dans le but de couvrir la sulfureuse fratrie indienne des Gupta. Les faits remontent à 2015. L'ancien ministre adjoint des Finances, Sebesi Jonas, s'était vu proposer le poste de ministre des Finances par les Gupta en échange de 40 millions de dollars et d'une obéissance absolue. À l'époque, Sebesi Jonas refuse et menace de révéler publiquement la proposition.
la chef de l'unité anticorruption aurait alors tenté de lui faire signer une fausse déclaration pour enterrer une éventuelle enquête. La mainmise des Gupta dans les affaires du gouvernement de Jacob Zuma ne fait plus de doute aujourd'hui en Afrique du Sud. Mais leur influence au sein des services judiciaires et de police était encore méconnue. Depuis deux semaines, des personnalités publiques témoignent devant la commission pour faire la lumière sur les accusations de corruption qui visent la famille indienne des Gupta et Jacob Zuma. La fratrie de businessmen indiens aurait eu une influence colossale pour nommer et révoquer les ministres grâce à ses liens privilégiés avec l'ancien président sud-africain. En Centrafrique, la situation humanitaire à Alindao, ville charnière du sud-est du pays, est désastreuse. Ceci à cause de la présence de groupes armés. C'est ce qu'a estimé ce lundi le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU. Plus de précisions à travers cet élément. 37 000 personnes sont réparties dans 5 sites de déplacés à cause des combats dans la ville d'Alindao et autour. La présence d'hommes armés au sein de certains de ces sites de déplacés compromet l'assistance humanitaire. La ville d'Alindao est sous le contrôle de groupes armés, réduisant à néant le rôle des autorités locales, selon le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, qui souligne que la ville n'est accessible que par avion et par la voie vers Bamba. Les rations actuelles de l'assistance alimentaire dans cette localité ne couvrent que 15 jours par mois. Aujourd'hui, plus aucun élève n'est scolarisé dans le secondaire et les examens de fin d'année n'y ont plus eu lieu depuis 2 ans, a également souligné l'organisation onusienne pour qui seuls 5 800 enfants seraient inscrits à l'école primaire grâce à l'appui des humanitaires alors qu'ils étaient 35 000 en 2016. Longtemps, la principale base du groupe armé Union pour la paix en Centrafrique, l'un des principaux groupes armés de l'ex-coalition Seleka, la ville a été le théâtre de combats entre groupes armés ces derniers mois. Un humanitaire y a été tué début août et 2 casques bleus ont perdu la vie depuis 6 mois dans la zone. En République démocratique du Congo, cela fait déjà 1 mois que le ministère congolais de la Santé a déclaré officiellement l'apparition d'une nouvelle épidémie d'Ebola dans la province du Nord Kivu. Au total, 120 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région ainsi que dans la province voisine de l'Ituri, avec à ce jour 80 décès. Des précisions à travers ces images. L'UNICEF a assuré que la situation se stabilise à Mandina, l'épicentre de l'épidémie Ebola. L'institution onusienne a également confirmé qu'aucun nouveau cas de contamination n'a été décelé au cours de ces derniers jours. Signe que les efforts déployés pour stopper les chaînes de transmission, suivis des contacts, sensibilisation et vaccination, commencent à porter leurs fruits. Parallèlement, le nombre de malades guéris augmente et cela aide à déjouer les réticences d'une partie de la population qui a eu tendance à fuir les centres de traitement Ebola qu'elle assimilait à une mort certaine. L'OMS, quant à elle, s'est réjouie que la surveillance fonctionne malgré un contexte sécuritaire particulièrement difficile dans cette zone où la découverte d'un premier cas il y a 10 jours avait fait craindre le pire. Seule la ville de Beni reste une source d'inquiétude, notamment le quartier Ndidi, où de nouveaux cas sont confirmés chaque jour. Le ministère de la Santé congolais promet de renforcer davantage la surveillance dans cette zone et annonce l'arrivée d'une nouvelle équipe d'anthropologues pour venir à bout des incompréhensions. Il y a 1 mois, le 1er août précisément, le ministère congolais de la Santé déclarait officiellement l'apparition d'une nouvelle épidémie d'Ebola dans le Nord Kivu, la 10e en République démocratique du Congo. En tout, 120 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région ainsi que dans l'île. Ituri voisin, dont 90 confirmés et 30 probables, avec à ce jour 80 décès. Au Nigeria, le groupe djihadiste Boko Haram a tué au moins 48 soldats jeudi dernier dans l'attaque d'une base militaire dans le nord-est du pays. Il s'agit de nouveaux chiffres confirmés ce lundi par des sources militaires et qui viennent alourdir le précédent bilan qui faisait état de 30 morts. Les détails. 48 soldats ont été pour l'instant trouvés, a témoigné sous couvert d'anonymat un militaire azari, base à la frontière avec le Niger.
Selon les explications de l'officier, 31 corps de soldats ont été d'abord retrouvés sur les lieux de l'attaque et 17 autres ont été retrouvés hier dimanche par les équipes qui ont ratissé le district de Zari. Samedi, plusieurs sources militaires avaient informé de l'attaque à l'arme lourde d'une base militaire située entre la frontière du Niger et le bassin du lac Tchad, zone de repli de la faction du groupe de l'État islamique d'Afrique de l'Ouest, branche dissidente de Boko Haram, dirigée par Abu Mossad al-Barnaoui. L'armée nigériane a officiellement reconnu un combat important entre les soldats et les insurgés, mais n'a fait état pour l'instant que de plusieurs insurgés tués, niant toute perte de son côté. S'attaquant rarement aux civils, la faction du groupe de l'État islamique d'Afrique de l'Ouest cible principalement l'armée nigériane ou la force conjointe régionale qui ont subi de lourdes pertes dans les attaques de ces dernières semaines. Dans un autre communiqué, l'aile Barnaoui de Boko Haram avait déjà affirmé mercredi avoir tué plusieurs soldats nigérians dans une attaque au mortier contre la base militaire d'Arge dans la région du lac Tchad. Aux États-Unis, avec la répétition des incendies, les quelques 4000 pompiers californiens sont au bord de l'épuisement. Les longues heures passées sur la ligne de feu, le nombre de décès qui ne cesse d'augmenter, y compris même au sein du corps des pompiers, affecte parfois la santé mentale des soldats du feu. Un reportage en Californie auprès de ceux qui ont décidé de prendre le problème à bras le corps. Dernier réglage avant de prendre la route. Jeff sillonne la Californie à la rencontre des pompiers de l'Ouest américain. Je vais de caserne en caserne, je vais sur les incendies pour porter mon message. Ce sont mes frères et sœurs. Beaucoup ne savent rien de leur santé mentale. Ils doivent comprendre en leur fort intérieur que c'est une bonne chose de recevoir de l'aide. Cet ancien pompier de Chicago s'est reconverti dans le soutien psychologique aux soldats du feu. Car ceux qui sauvent des vies en oublient parfois la leur. Pourquoi suis-je sur les nerfs? Pourquoi je ne dors plus? Pourquoi je deviens accro? Nous devons nous poser ces questions. Car les incendies qui ravagent régulièrement la Californie font des dégâts aussi dans les casernes. 5 pompiers sont morts au feu rien que cet été. Les conditions sont extrêmes pour tous ceux appelés au front. On a des pompiers qui travaillent de 12 à 36 heures de suite sur l'incendie. Ils sont épuisés physiquement, épuisés émotionnellement, car des collègues meurent sur ces feux. Des pompiers meurent. Nous ne sommes pas des super-héros. Tout le monde a des limites. D'après les syndicats de pompiers qui pointent le manque d'effectifs, il y a urgence. Le stress post-traumatique, souvent associé aux soldats revenus de la guerre, fait des ravages. Et la culture du silence est difficile à rompre. Même avec l'aide de psychologues spécialisés. C'est un univers très masculin, très macho. S'ils font de l'armure, ils sont en danger, car depuis toujours, chez les pompiers, si tu es faible, on te met à la porte. Matt en a fait la douloureuse expérience. Gravement blessé pendant une intervention il y a 4 ans, ce pompier de San Diego a été poussé vers une retraite anticipée, le début d'une longue dépression. Ma carrière était tout pour moi. C'était mon métier, ma passion, mon identité. À un moment, j'ai eu des envies de suicide. Si Matt a réussi à chasser ses démons, d'autres n'y parviennent pas. Depuis le début de l'année aux États-Unis, 43 pompiers ont mis fin à leur jour. C'est 8 fois plus que le nombre de pompiers morts au feu. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.